Il n'y aurait pour se perdre sur le lac Bourin. On dirait que c'est une pieuvre. Des embranchements dans tous les sens. Les parties les plus claires que l'on voit, c'est le niveau d'eau. Donc pour l'instant, il est bas. Le sud-est de l'État est le pays des canyons. Les rochers ont aussi une grande variété de formes et de couleurs. Bien qu'ils soient plutôt généralement rougeâtres, le caractère dominant sont les canyons, grands et petits. Mais il y a beaucoup d'autres formations de l'érosion, telles que les arches de rochers, trouvées dans les parcs. La plupart des paysages inhabituels et spectaculaires est concentré autour des rivières Green, San Juan et Colorado et de leurs affluents qui ont progressivement érodé les couches rocheuses. Cette région fait partie du plateau du Colorado. Le paysage a changé récemment suite à la construction du barrage de Grand Canyon dans la vallée du Colorado, qui est le lac Powell. Ici se trouvent les parcs nationaux de Bryce Canyon et de Zion, de renommée mondiale. Mais il y a beaucoup d'autres super falaises, canyons, dômes et dunes de sable qui méritent d'être explorées. Cacha Undegui. Et dans le fond, vous voyez, nos Indiens sont un peu plus modernes. Ici fut tourné le film La Chevauchée Fantastique.
hi, oh, hi, ay, ay, oh, yummy, ay, oh, ay, oh, ay, oh, yummy, ay, yummy, ay, oh, ay, oh, ay, oh, yummy, ay, yummy, ay, oh, ay, oh, ay, oh, yummy, ay, yummy, ay, oh, ay, oh, ay, oh, yummy, ay. Heck for you, will it die? Oh, what now? Oh, yummy, ay, ay, oh, ay, oh, yummy, ay. Woo! Visite de Monument Valley, vallée de Monument, le paysage le plus célèbre du sud-ouest des États-Unis, qui se trouve dans une réserve des Indiens Navajo. Arche National Park remplit le paysage avec ses milliers de formations, degrés aux formes variées, comprenant de vraies arches de toutes dimensions inimaginables et d'autres encore au-delà de votre imagination. Thank you.
Ici, vous avez une arche isolée. Regardez le panorama.